Coucou, bonjour à tous. Le sujet d'aujourd'hui est très différent et très intéressant. Voilà, je vais vous parler du sycomore de la déesse sacrée Hathor. Cet arbre poussait dans chaque centimètre carré dans l'Égypte bien-aimée. La déesse Hathor est la vache céleste, symbole d'amour, de la musique, de la beauté, de maternité chez les anciens Égyptiens. La déesse Hathor est une belle femme qui a été transformée dans la conscience populaire égyptienne pour la dame de la beauté. Son nom est une Hathor, ce qui signifie une maison et une résidence pour son mari Hor. La netteté du faucon, dont la tête est au-dessus du soleil. La déesse Hathor était associée à un arbre appelé Nié dans l'ancienne langue égyptienne. Les anciens Égyptiens associaient les sycomores au concept de la mère universelle. Voilà, il y a trois symboles féminins. Un des symboles les plus importants de la civilisation égyptienne antique, qui portait le titre d'âme de Gamaïza. La déesse Isis est le symbole de la maternité. La déesse Nout est le symbole du ciel. Et la déesse Hathor est un symbole de l'amour. Et les trois représentent les concepts de la mère céleste qui nourrit les âmes des justes au ciel et leur donne de l'eau de la vie. La légende égyptienne dit qu'il y a deux arbres qui étaient répandus dans l'Égypte ancienne. Mais l'historien grec Hérodote, qui a visité l'Égypte au 5e siècle avant Jésus-Christ, a déclaré que les sycomores étaient présentes dans tous les quartiers. Voilà, les anciens Égyptiens croyaient que l'énergie des déesses Hathor, l'énergie de l'amour, de la beauté, de la tranquillité, de la maternité et de la guérison, bien sûr. Donc, on le trouve dans le sycomore de notre chère Égypte. Et voilà. Merci à tous et au revoir. À la prochaine.